Bonjour à toutes et à tous, c'est le 17ème épisode. Nous avons terminé le deuxième donjon, obtenu le grappin, sauvé Ruto et obtenu le médaillon spirituel des auras. Alors maintenant on peut passer là. Et donc maintenant que j'ai le grappin, il y a au moins un endroit que j'ai en tête où je voudrais aller. Faut aussi que j'aille voir Zelda. Et après on ira à la montagne Goro. Alors, je vais me téléporter au domaine Sahasrara. Déjà, on va vérifier si on n'a pas du courrier. Non, pas du courrier. Et donc c'est là que je voulais utiliser le grappin. Tac. Oh non. Pas une grotte dans le noir avec des trous, enfin. Et des piquants. Quelle horreur. Même si elle a l'air d'être toute petite. Waouh. D'accord, un tapis roulant qui emmène dans un trou, c'est vraiment sadique. Ok, j'ai rempli de l'eau. Ah, des planches interrupteurs. Qu'il n'y a rien sous ce bassin parce qu'on sait jamais. Il n'y a rien. Aïe. Alors. Ah tiens, je peux marcher là maintenant. Comment. Où peut-on inverser les planchers interrupteurs à tout hasard? Peut-être qu'il y a un endroit. Peut-être qu'il faut faire ça, tiens. Non, c'est pas ça. Ah, ou alors comme ça. Non, ça passe pas à travers. Aucun intérêt à tomber. Bon bah c'est un peu décevant parce que je sais pas quoi faire dans cette grotte. Puis si je tombe là, j'ai une porte qui est fermée. C'est bizarre tout ça. Allez, je vais aller voir Zelda pour me changer un peu les idées.
Link, je suis soulagé de voir que tu vas bien. Suis les conseils de Ruto et va voir Darunia. Il est le chef des Gorons. Ce peuple vit au nord-est d'Hyrule dans la montagne Goron. Va et reviens victorieux. Bon. Bah, elle m'a pas appris grand-chose. Entre nous, hein. Ah, au fait, j'ai les palmes. Je suis jamais allé là. Bah oui, ça mène ici, logique. Et par là, j'ai peur qu'il n'y ait pas grand-chose. Ah. Demi-tour. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme endroit où j'aurais pu avoir besoin du grappin? Excepté la montagne Goron. Waouh, c'est quoi cette épée? J'ai enfin pu me réapprovisionner. Je n'ai que deux articles, mais ils coûtent très cher. Je veux l'épée. 500 rubis! Et le fragment de cœur, 201 rubis. Plus c'est cher, plus c'est utile. Je les ai presque, les 201 rubis, mais après j'hésite. J'économiserais bien pour avoir l'épée quand même. Et donc là, le grappin, ça sert à rien. Il y a un trou, alors moi j'essaye le grappin, vous savez. Ok. Bon bah c'est bien, on a au moins un objectif de rubis là. Eux ils ont toujours pas fini leur arbre. Alors, est-ce que le grappin pourrait me permettre, par exemple, d'accéder à ça? Pas du tout. Là-bas, la caverne où j'ai pas compris comment faire. Ah, il y avait aussi le cimetière que j'ai toujours pas visité. Il y a beaucoup de choses qui restent encore. Ah, je sais où il faut que j'aille avec le grappin. Ça se voit. Pour le cimetière, ouais, il faut une clé apparemment. Mais j'ai pas la clé. Donc je vais pas acheter le fragment de cœur tout de suite parce que j'en ai qu'un seul. Donc peut-être que si j'en trouve deux autres, je l'achèterai. Mais en attendant, j'économiser pour l'épée. Alors voilà. Non, j'ai le grappin. Il y a un coffre là-haut auquel je dois pouvoir m'accrocher. Ça contribue, c'est énorme. Ah non, 200 c'est le maximum. Bien sûr, le fragment de cœur coûte 201. Alors ça, si c'est le mini-jeu de la pelle, je sens que ça va être chiant. Oh, un fragment de cœur là-haut. En fait, je suis de l'autre côté du champ de mine. Plateau septentrional. Ah, le code! Ah, ça m'intéresse. 5 en bas.
9 à droite, 1 en haut, 16 à droite. Ah ouais, bah celui-là, tu peux pas le trouver par hasard. Hein. 6 en bas et 4 à droite. Ok, bah moi je vais essayer ça tout de suite, ou presque. Donc là, je suis déjà allé, et là, je suis de l'autre côté du champ de mine. Bon. On dirait de la terre fraîchement retournée. Qu'est-ce qu'il faut faire sur la terre fraîchement retournée? Il faut planter un haricot magique, pour atteindre le fragment de cœur. Salut, c'est Igor le Fossoyeur. Je cherche une clé qu'un stupide oiseau a enfouie ici. J'en ai besoin pour retourner au cimetière. Malheureusement, j'oublie mes lunettes. Alors, à défaut de m'en acheter une nouvelle paire, que dirais-tu de me guider? Je vais te suivre lentement. Oui, si c'est comme dans Ocarina, ça va être très très lent. Quand tu sens que l'endroit est propice à la fouille, parle-moi lorsque je suis au-dessus de l'endroit où tu veux que je creuse. Cependant, je pense à me faire plutôt vieux. Ne t'étonne pas si je n'arrive plus à creuser au bout d'un moment. Compris, mais ça a l'air d'être chiant. Ah bon, on peut pas aller vers la terre fraîchement retournée. Bah vas-y, creuse n'importe où au hasard. D'accord, y'a rien. Où est-ce qu'on pourrait essayer? Est-ce qu'il y a des endroits louches? Pas trop, hein. Vas-y, viens voir sur la fleur, là. Y'a rien. On va essayer de trouver la clé quand même, d'accord? Et puis, je sais pas, aussi un fragment de cœur, des rubis, tout ça, ce serait très bien. Alors, par là. Mais il n'y a jamais rien. Entre les fleurs, là, peut-être. Ah oh, des rubis. En fait, il a sorti 50 rubis, mais... C'est bien triste, parce que j'ai même pas de quoi les porter. Et en plus, s'ils bougent plus, je peux pas les attraper. Bon, alors... Maintenant qu'on a le super code, on va retourner dans le labyrinthe. Là, ça va devenir urgent de trouver un sac de rubis parce que... Tous les rubis que je gagne maintenant, ils sont perdus en quelque sorte. Donc, 5 en bas. Bah non, ça n'a aucun sens. En fait, c'était un plan pour le Fossoyeur, ça n'avait rien à voir avec là où je suis ici. Je peux pas aller en bas, y a rien en bas. C'est dommage. Je pense avoir résolu cette énigme. Bon bah je vais peut-être retourner voir Igor du coup. Cinq en bas, 9 à droite, 1 en haut, 16 à droite, mais c'est pas possible non plus.
pas aller aussi loin à droite, je pense. 9 à droite et après 16 à droite. 5 en bas, je veux bien. Ah, le jeu. Le rubis est toujours là. Bah, je vais le laisser. Hein. Alors, si on réessaye. Par rapport à toi. 5 en bas, 1, 2, 3, 4, 5. 9 à droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 en haut, ça fait là. Et après 16 à droite, c'est pas possible. Ou alors faudrait descendre. Et après 6 en bas et 4 à droite, ça tombe même pas dans la map. Je sais pas ce que ça veut dire ce code alors du coup. Puisque ça marche ni là, ni dans le labyrinthe. Ou alors c'est à partir de la pancarte. Ah, c'est peut-être ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, là ça colle. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ah ah. Donc c'est là, dans le petit coin. Ok, vous notez ce petit coin et vous me redirez... Allez. Vas-y. Je sais où il faut aller. Allez, vas-y, suis-moi très lentement. Mais suis-moi quand même. Hé, hey, oh. Comment je peux le faire aller là? Merde. Ah, c'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. Yes, c'est la clé. La clé du cimetière. Le fossoyeur peut enfin retourner travailler. T'as pas l'air en forme pour travailler quand même. Ah, ouh, bah, il va mieux. Attends, il s'est cogné dans les arbres, il a fait un tremblement de terre. Est-ce qu'il aurait fait tomber le fragment de cœur? Eh ben non. Dommage. Donc j'ai résolu un truc, mais j'ai un nouveau mystère à la place qui est ce fragment de cœur. Peut-être qu'il faut essayer de verser de l'eau aux auras ou quelque chose comme ça. Eh, hey, depuis quand vous attaquez à deux, vous? Ah, c'est ouvert. Est-ce qu'on peut pousser les tombes? D'habitude, il y a au moins une tombe qu'on peut pousser. C'est le chant des tempêtes. Bah vas-y, pousse. Ah, je le savais. Salut, tu te souviens? Bah oui. J'adore ce cimetière, le teint est tellement mou, surtout par ici. C'est parce qu'il pleut. C'est normal, il pleut toujours dans un cimetière. Et normalement, il devrait faire nuit. Je teste toutes les tombes. Ah tiens, une pierre noire. Ça veut dire qu'il doit y avoir un deuxième bracelet. Le jeu est peut-être loin d'être fini. Je sais pas combien il y a de donjons. Le monde n'est pas très grand, mais je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jouer de la musique. Oups. Dans Link to the Past, faut utiliser de la poudre magique, il me semble. Dans Link's Awakening. Bon, là, je sais pas.
Eh, je peux pas aller là? Je peux pas visiter? Ok, bon, alors donc j'ai débloqué le cimetière, mais je sais pas trop ce qu'il faut faire. Et puis de toute manière, je vais m'arrêter là. Si je me suis pas trompé cette fois-ci, ça doit faire 20 minutes. Donc on se retrouvera bientôt pour le prochain épisode. Salut !